Alors, pour le stamping, vous allez donc avoir besoin de différents vernis. Donc là, je vais vous présenter, ce sont des vernis spécial stamping. Donc là, vous avez un vernis de la marque Yes Love, un noir. Vous avez les vernis Conad, comme ceci. Donc là, j'ai un noir, un blanc et un orange. Celui-ci aussi est un vernis spécial stamping qui provient de la boutique, qui me semble que c'est Crystal Beauté, que j'ai dû recevoir dans une Crystal Box. Mais après, vous pouvez utiliser d'autres vernis. Vous avez les OPI qui fonctionnent très bien. Vous avez des Color Club. Vous avez les England aussi. Comme par exemple ceux-là, qui sont des vernis holographiques avec lesquels vous pouvez aussi faire votre stamping. Ensuite, pour ce qui est des plaques, vous avez donc différents modèles. Il y a les modèles qui se présentent comme ceci, donc des ronds avec plusieurs motifs. Vous avez des petits motifs, des motifs un peu plus grands. Voilà. Vous avez des grandes plaques comme celle-ci, avec plusieurs motifs également. Voilà, comme ça. Vous avez des petits motifs et des motifs pour faire un design intégral sur votre ongle. Vous allez avoir besoin de tampons. Donc, alors vous avez le modèle classique de chez Conad, tout simple. Vous avez ce modèle-ci qui vous permet de faire le motif intégral. Par exemple, comme pour moi, qui ai quand même des ongles qui sont assez larges, ce tampon est très pratique. Vous avez ce côté-ci pour faire des petits motifs. Vous allez avoir une raclette, donc vous en avez différentes. Moi, j'ai celle-ci qui fait partie de la marque Conad. Ensuite, ce qui est important, c'est d'avoir du dissolvant. Donc, moi, c'est un dissolvant, voilà, un pompe que j'ai gardé pour pouvoir le remplir. Et du coton afin de pouvoir bien nettoyer, pardon, excusez-moi, vos plaques. Donc, au préalable, j'ai décidé d'appliquer un vernis clair. Donc, j'ai pris celui-ci, LM Cosmétique, de la collection, c'est la collection Glamour, c'est le numéro 120. Donc, c'est un vernis assez clair, pour pouvoir utiliser un peu toutes les couleurs. Et je vais travailler avec cette plaque qui est la plaque, c'est la Florale, qui provient de la boutique Chez Delaney et qui est spécialement faite pour Chez Delaney. Donc je vais vous montrer plusieurs types de motifs, intégral ou tout simple. Je vais nettoyer ma plaque en appliquant quand même un petit passer un coton avec du dissolvant. Je vais faire pareil avec le tampon ainsi que la raclette. Appliquez toujours un support en dessous pour éviter de mettre du vernis partout. Ensuite, je vais donc vous montrer par exemple. Alors, je vais commencer avec celui-ci, vernis rouge. Et je vais appliquer ce petit motif-là. Celui-ci, ce sont des petites roses. Donc, alors, je vais prendre mon vernis. Là, je l'applique bien sur le motif que j'ai choisi. Avec la raclette, voilà, je prends mon tampon que je passe comme ça. Donc, le motif, pardon, est bien sur le tampon. Et je vais. Alors, ça va pas être évident de vous montrer. L'appliquer comme ceci. Voilà. Voici
pour ce motif là, donc j'essuie mon tampon, la raclette à chaque fois, voilà, pour pas laisser sécher le vernis. Et j'en profite pour faire tomber le matériel, bien sûr. Voilà. Ensuite, avec le, eh bien, celui-ci qui n'est pas un spécial stamping, je vais choisir un autre motif. Je vais faire celui-ci, voilà, qui est une espèce de petite étoile. Donc, pareil. Ce qu'il faut surtout, c'est qu'une fois que vous avez raclé, évitez d'attendre. Vous prenez le tampon. Alors, je vais essayer de vous le faire, voilà, comme ceci, pour avoir le motif dessus. Et voilà. Donc vous voyez, ça marche très très bien aussi avec ce vernis-là. Ensuite, on va prendre celui-ci pour faire ce motif-là. Donc celui-ci est un petit peu plus liquide, c'est le Yes Love. Mais c'est pareil, hein, c'est un spécial stamping. Voilà. Donc il faut aller assez rapidement pour éviter que le motif ne sèche. C'est un coup de main à prendre. Il n'y a pas besoin d'appuyer en fait sur le tampon quand vous le quand vous l'appliquez. Hein. C'est vraiment pas nécessaire. Ensuite, on va faire. Voilà, je vais prendre le orange. Je vais faire deux motifs intégral. Donc celui-ci. Ou un qui soit peut-être un peu plus. Voilà, celui-ci, je vais faire ce motif-là. Et donc, je vais prendre mon grand tampon. Voilà, vous voyez, je n'appuie pas, je fais juste basculer. Et donc, ensuite, voilà. Alors, toujours nettoyer. Le matériel. Et donc pour finir, je vais prendre celui-ci pour un autre motif pour le pouce, pareil. Mais ça peut marcher aussi sur d'autres packs, par exemple celle-ci. Attendez, je vais prendre celle-ci. Et je vais prendre ce motif là, voilà. Donc, alors, blanc sur blanc, ça va, pas se voir, mais bon. Voilà, j'ai le motif dessus, ça ne se voit pas parce que c'est blanc sur blanc. Et ensuite,
je place mon motif et voilà. Voilà, vous pouvez faire d'autres comme vraiment plusieurs motifs, que ça soit, même si ce n'est pas du matériel de la même marque, hein, ce n'est pas du tout important. Ce qu'il faut, c'est surtout aller assez vite pour le faire votre motif. Ça marche aussi bien, je vais vous montrer que ce tampon là, donc je vais le faire bon, pareil, blanc, je vais le faire sur l'autre main. Donc je vais prendre voilà ce motif là avec le tampon Conade. Voilà, vous allez voir le motif et je vais le faire non, sur celui-ci vous verrez mieux. Et voilà. Donc, voilà pour ce petit tuto qui, j'espère, vous aura aidé. Donc, comme vous le voyez, ce n'est pas très compliqué. Il faut juste le coup de main. Quand vous posez votre tampon, c'est pas la peine d'appuyer comme ça ou comme ça. Vous le prenez juste, vous le posez et vous basculez tout simplement. Pour le petit, ce petit, c'est pareil. Il y a juste à basculer sans appuyer. Le tout, c'est de ne pas perdre trop de temps entre. Bien sûr, vous pouvez, voilà, quelques secondes quand même, mais n'attendez pas non plus 2 minutes, 10 minutes, parce que ça va sécher et donc vous ne pourrez pas faire appliquer votre motif sur votre ongle. Voilà, c'est le principal. Surtout aussi, pensez à bien nettoyer votre matériel avec du dissolvant et un coton. Avant l'utilisation, entre chaque utilisation, surtout si vous voulez utiliser plusieurs couleurs différentes. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Bon, je ne suis pas une professionnelle, mais voilà comment moi je fais ma technique. Ah, désolé le téléphone. Donc j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé, quel tampon vous utilisez, quelle marque vous utilisez. Si vous avez des conseils, et si je peux, je vais les lire. C'est toujours bon à prendre les conseils. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Voilà, en attendant, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.